Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis tellement excitée de ce que je vais vous montrer. Vraiment, je l'attendais avec impatience, mais forcément avec le Covid ça a mis un peu de temps. Je vous montre ça tout de suite, c'est-à-dire... Oh, c'est trop beau, franchement elle est trop trop belle, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc du coup c'est la box Nessa. En japonais forcément. Donc attendez, je vous mets à l'endroit. Hop, voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir ensemble, sachant qu'il y a deux displays S4A. Oui, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Du coup, hop, un petit coup de ciseau et je vais vous l'ouvrir. Enfin si j'y arrive. Donc du coup c'est une box qui fait un peu l'équivalent de nos ETB en France. Voilà. Ça, on s'en fiche. Oh, mais c'est d'une beauté. Oh là 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 là. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Comment ça s'ouvre? Allô frère, comment tu t'ouvres? Je crois que c'est comme ça. Ouais. Donc du coup j'ai coulissé. Donc là il y a le petit carton. Voilà. Et du coup, voilà la box. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau, franchement magnifique. Et du coup Nessa juste devant, voilà. Et du coup on va l'ouvrir. Donc quand on ouvre, ok, c'est la première fois que j'ouvre ces box là hein. J'en voulais déjà depuis longtemps, mais là c'est la première fois. Donc du coup voici ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je vais vous le montrer là, ça va être plus simple. Donc on a forcément ce qu'on attendait de faire. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez-moi ces displays, je vous les montre plus. Regardez-moi juste le display est magnifique quoi. Donc du coup dans ces displays là vous avez 10 boosters et vous êtes sûr dans chaque booster d'avoir une ultra. Donc voilà. Alors après on a du coup le deuxième display. Donc on a dit qu'on avait deux displays, voilà. Après on a, oh là là, magnifique, la deck box du coup à l'effigie de Nessa. Elle est trop belle. Pokémon. Oh j'adore. Ah oui, c'est le. Là-dedans, vous entendez le bruit, c'est le séparateur. Vous avez un séparateur dans chaque deck box. Hop. Après, oh mon dieu. Après, voilà les sleeves du coup à l'effigie de Nessa. Elles sont magnifiques. J'adore, 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 j'adore. Du coup, vous voyez, c'est vraiment un peu comme les ETB quoi. Et du coup, alors il n'y a plus rien à l'intérieur, ça peut servir de rangement, pareil, comme les ETB. Donc on referme la boîte, une boîte qui est en carton, mais carton très épais quand même. Voilà, on referme la boîte. Et du coup, juste ici, bien, bien protégé. Franchement, j'ai jamais vu un jeton aussi bien protégé. Donc on a le jeton de Nessa. Alors attendez, la lumière est pas ouf. Mais du coup, voilà, on a le jeton de Nessa qui est bleu en fait. Mais il est... Il est bleu mais très très pailleté quoi, enfin voilà. Bon du coup il ira dans la collection. Oh, je suis trop fière de l'avoir, franchement il est magnifique. Bon, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire... Donc pour faire durer le suspense, on a dit qu'il y avait 10 boosters dans chaque display. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je pense faire 5 par 5. Donc du coup ça fera 4 vidéos sur ces displays là, sachant que je vais essayer de voir pour en racheter. Mais là la cote est montée mais à méga cher quoi. Enfin, franchement là en général là sur eBay vous trouvez ça à 150 balles quoi. Ça commence à piquer, 10 boosters, 150 balles, ça commence à piquer. Donc du coup, hop, on va essayer de l'ouvrir correctement parce que j'aimerais bien le garder parce que je trouve la boîte déjà magnifique. Juste la boîte, hop, voilà. Donc du coup, ça se présente comme ça. Après, du coup, comme tous les japs, ça s'ouvre en deux. Et du coup, vous avez tous les boosters. Donc normalement, on a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais regardez-moi ce booster quoi, il est magnifique. Vous avez Dracaufeu Shiny, Salarsen Shiny, Lansorien Shiny, Loclass, Fulgudog, Metamorph, Scolossandre. Oh,
Franchement, c'est une tuerie, quoi. Et du coup, derrière, il ressemble à ça. Bon, rien de fou. Bah, du coup, je pense que je vais les mélanger. Comme ça, on ne sait pas ce qu'on prend. Je vais piocher au hasard 5. Alors, piochons. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah voilà, comme ça, ils sont tombés tout seuls. Et on laisse donc les prochains. Je les remets dans la boîte. Et ce sera pour la prochaine vidéo. Bon, du coup, on a mis 5 boosters. On va les ouvrir délicatement. Parce que franchement, on a envie d'apprécier cette série. Qui est quand même une tuerie. J'aimerais bien garder des boosters aussi. Du coup, je vais essayer de les ouvrir correctement. Mais ce ne sera pas pour celui-ci. Voilà, loupé. Oh, je sais même pas s'il faut faire un tri. Je sais plus. Bon, je crois qu'on va pas faire de tri, on verra bien. Alors. Ah oui, du coup. J'ai pris à l'envers en plus. Ah, alors, du coup, ok. On commence avec. Oh, comment il s'appelle lui déjà? Je sais que c'est évolution de Wushu, je crois, dans Isolé Armure, du coup. Donc, du coup, c'est un code. Voilà, c'est un code pour avoir le Pokémon normalement sur épée et bouclier, je pense. Enfin, sur le jeu. On verra. De toute façon, je laisse de côté. Du coup, on va commencer. J'espère avoir de bonnes cartes. Malheureusement, je sais qu'avec la chance actuelle, ce n'est pas forcément le cas. Mais déjà, on va avoir une ultra à chaque fois. Et ça, rien que ça, ça fait tellement chaud au cœur que... Oh là là. Oh là là. Donc du coup, on commence avec Goupilou, Miaous, Exadron. Donc ça, ça doit être dresseur bouclier ou un truc comme ça. Après, ça c'est un Pokémon fossile. Après, encore un dresseur. Et là, on commence. Donc là, on commence. On a une holo. Donc une holo avec Corayom. Voilà. Après... Oh, ça commence, voilà, ça commence. Donc du coup, on a une amazing. Voilà, ça commence, voici une amazing. Mais la beauté pure. Sachant que l'amazing qu'on a tout le temps, c'est Kyogre. Voilà, donc là c'est Reshiram, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'ai envie de chialer. J'ai tellement envie de pleurer. Oh non, mais c'est trop beau, quoi. Ok, je dénigre d'un grand feu parce qu'il m'énerve, parce que c'est toujours lui qui a toutes les... Mais... Je m'attendais tellement pas, et dès le premier booster, quoi. Oh la vache. Bah, je vais finir et puis je le mets sous slip direct. Oh, et du coup, on a la reverse. Bah, j'ai même pas le temps de vous présenter un booster. Que déjà, on tombe sur le Dracaufeu Shiny, s'il vous plaît. Le Dracaufeu Shiny. Bon, après, il y a l'autre Dracaufeu Shiny VMAX qui est magnifique. Mais Et du coup, les reverse, voilà. Donc, elles ont des ronds chelous. Et elles sont un peu en papier glacé. Enfin, je sais pas comment dire. C'est tout lisse, tout doux. Du coup, voilà, donc on a Crémy. Bon, Crémy, je suis désolée, tu as passé inaperçu. Mais attendez, mais j'ai même pas pris mes slips. C'est quoi ça? C'est quoi cette organisation de merde? Oh non, mais les gars, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous venez de voir ce que je viens de voir? Bah oui, forcément que vous l'avez vu. Mais je suis folle de joie, genre, enfin... En fait, j'ai de la chance, quoi. Il manque plus... En vrai, le Dracaufeu Shiny... Enfin, Shiny VMAX dans celui-là, et c'est bon, hein. Là, on sera au summum, quoi. Genre... Oh, mais non, mais je suis folle. Oh, les sleeves qui m'accrochent le coude. Mais oh là là. Mais franchement, ça doit être... Enfin, de toute façon, cette série, ça va être la plus belle série que je vais ouvrir. Ça va aussi être les plus belles ouvertures que je vais faire sur ma chaîne, je pense. On va aussi mettre une sleeve à la petite Amazing, parce que franchement, les Amazing, c'est magnifique. Mais...
Et juste pour le plaisir, vous savez quoi? On va le laisser là, tu vois, genre... Ah mais non, mais là, j'ai tellement bien fait, genre, je suis mais tellement heureuse d'avoir acheté cette série, genre... Ça change tout, quoi. Ça change tout comparé au français, qui est nul à chier, excusez-moi, mais... Ah, bah du coup... Ah bah comme ça, on a les deux... Donc je crois qu'il y en a un qui est ténèbres et l'autre haut, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Hop. Moi je suis désolée, on va continuer, je vais pas m'arrêter sur le Dracaufeu, même si vous le voyez, là c'est genre magnifique de le sortir, genre... J'aurais tellement voulu le sortir sur la voie du maître, mais impossible, impossible. Mais, enfin, c'est un truc de malade. Et là, j'ai un espoir, du coup, d'avoir ce Dracaufeu, j'ai un espoir de pouvoir compléter cette collection. Parce que ce Dracaufeu, il code de ouf, là, enfin, voilà. Bref, passons. Donc on a un Smogogo en holo, ok. Après, Ordre du Boss en holo. Et là... Mais que dire de plus? Que dire de plus? C'est Métamorph VMAX. Métamorph VMAX, c'est le Pokémon que je voulais, quoi. Enfin, on l'a... Je deviens folle. Puis du coup, un petit Voltoutou, je crois. Ouais, Voltoutou en reverse. Mais non, mais... S'il vous plaît. C'est une tuerie, cette série. C'est une tuerie. Je suis comme une folle. Je suis une vraie gauche, genre... Je me sens tellement débile de réagir comme ça, mais c'est... Et franchement, vous savez quoi? Je vais les laisser là. Et on va faire un quota de ce qu'on aura eu. Je pense que je vous ferai un récap. À la fin de la dernière vidéo, quand j'aurai ouvert les deux displays. Je pense que je vous ferai un récap de la... Oh, bah, j'en fais tomber la caméra. Hop là. Je vous ferai un récap de la situation, parce que franchement, c'est une tuerie, quoi. Alors, on a quoi, là? C'est quoi? Hein? T'es qui, toi? Ah, c'est les Argus, non? Si, je pense que c'est les Argus, mais en mode... Ouais, en mode VMAX chelou, quoi. Bon, je crois plus qu'on ait eu le gold, là, et puis ça y est. Alors là, vous me perdez, hein. Oh là 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 là, mais je suis... Mais choquée. C'est une tuerie, Scolosante, Scolosante, trop mignon, trop beau. Oh, holo d'Angoliath, ok. Holo de Béca Glaçon, ok. Lanceaurien, mais mon petit amour qui est là. Mais putain, mais c'est une tuerie. Et Reverse de Daru, Daru Marron. Non mais... Là, en vrai, j'ai toutes les cartes que je veux. Je suis désolée, Mathilda, si tu regardes cette vidéo... C'est quand tu veux pour refaire des affaires avec toi, parce que franchement, si tu peux me donner autant de chance à chaque fois, ce serait une tuerie, quoi. Vas-y, par contre, les boosters, ils souffrent trop mal. Ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Oh là 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 là, mais je suis folle. Ah, ça, c'est... Livroy, je sais plus, c'est le Pokémon de... Bref, on s'en fout. On s'en fout, les gars, on a eu le Dracaufeu, s'il vous plaît. Il manque plus que le Dracaufeu VMAX, et franchement, on est bon, quoi. On a fini la série, quoi, si on a les deux. C'est une tuerie, on a fini la série. Ou presque. Non, il manque les golds, quand même. Les golds sont vraiment magnifiques. Ok, recherche professorale en holo. Sort silence en holo. Mais mon petit amour, mais tous mes petits amours sont là, en fait. Blanc coton V, allez. Et... Sapero en reverse. Oh, mais je crois très clairement que je vais continuer cette vidéo juste après. Est-ce que je vous ferai pas les 10 d'un coup? J'ai un doute là. Je vous fais deux vidéos. Et vous savez quoi? Pour fêter le Dracaufeu, ça va être une vidéo très longue. Je m'en excuse d'avance. Mais vous savez quoi? On va faire les 10. On va faire les 10 juste pour fêter le Dracaufeu. Allez, petit Larméléon. On va faire les 10 juste pour fêter le Dracaufeu. Je suis désolée, mais c'est une tuerie. Je suis obligée de continuer, là. J'en veux plus. Je voulais vous montrer tranquillement et tout. Et puis d'un seul coup, il est apparu comme ça. Allez, salut. Dawnman en holo. Samurai en holo. Scolosante VMAX. Voilà. Que dire de mieux? Voilà. Scolosante VMAX. Et oui, Messire en reverse. Scolosante VMAX.
En vrai, il faudrait que je mette des slips à toutes les... limite toutes les cartes. Mais bon, on n'est pas rendu. Bon, du coup, on vient de faire les 5. Allez, on fait péter la fin du display. Je suis désolée, ça fait moins de vidéos sur ce sujet. Mais c'est pas grave, je trouverai d'autres vidéos, je m'en fous. Là, je veux continuer. Je veux vous montrer à quoi ressemble cette série de malades. À quoi on est censé... Enfin, j'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. Genre... Et là, en fait, j'ai hâte de voir ce que... Oh, il est trop beau. Floriza, il est trop beau comme ça. J'ai hâte de voir, en fait, ce que ça va donner en français. Parce que je suis sûre que ce sera moins bien que le japonais. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Ponyta, Zigzaton, Ornithologue, là, je crois. Forêt du Mirand, j'arrive toujours pas à l'avoir en ténèbres embrasées. C'est un truc de... Pas l'artichaut, oh, en holo, trop cool. Duralugon en holo, trop cool. Et métamorphé. Mais putain, mais on a tous les métamorphes. C'est trop bien. Il manque le shiny et on est bon. Il manque le shiny et on est bon. Bon, après, là, le shiny, du coup, on l'a déjà eu. On a déjà eu notre carte shiny. Donc, normalement, on devrait pas en avoir d'autres, logiquement. Parce que, si je dis pas de bêtises, c'est une shiny, une grosse shiny par display, avec une secrète... Peut-être 3 petites shiny, donc on n'a pas encore nos 3 petites shiny. Et Tisation qui vient nous tenir compagnie. Qu'est-ce qui manque? Bah du coup les holos je les compte pas. Il y a une ultra dans chaque booster. Et après il y a les reverse. Et bah voilà. Fallait que j'en parle. La petite shiny donc de Sapero. Elle est trop belle. En noir et blanc là. Enfin gris anthracite, je sais pas comment. Oh, elle brille de mille feux. Oh là 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 là, mon dieu. Trop beau. Trop beau. Franchement magnifique. Après, la shiny, je la pose à côté pour mettre une cible juste après. Hein. Belle de neige en holo. Archéduc en holo. Zacian V. Allez. Et Miamia. Pas Miamias. Miasmax, oui, bon, bref, en reverse, tac. Oh, mais je suis toute chamboulée, c'est. Mais regardez-moi ça, je crois que j'ai jamais eu autant d'ultra en une seule fois. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Au final, c'est trop bien, quoi. Regardez-moi tout ça, là. Attendez, il y a le petit scolocentre qui est caché. Mais je suis trop heureuse. Genre, franchement, je pense que je vais en reprendre, quoi. Je pense que je vais en reprendre, parce que c'est une tuerie. C'est trop beau à voir, quoi. C'est... Oh, Pikachu VMAX. Enfin, ouais, c'est VMAX, ouais, c'est ça. Tac. Alors, Cradopo. Mini-Ange, Astronelle. Oh, nice. Torgamore. Oh, Zamazenta Holo. Oh, on a une secrète en plus de la Dracaufeu Shiny. On a une secrète en plus de la Dracaufeu Shiny. Genre, je suis folle. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, c'est une tuerie. Cette ouverture, c'est une tuerie, les gars. Genre, c'est la meilleure ouverture au monde. Oh putain. Non, mais regardez-moi ça. J'ai même plus de place sur la table, s'il vous plaît. J'ai plus de place sur la table. Il reste encore 2 boosters. Mais c'est une tuerie. Franchement, les gars, c'est une tuerie. Je vais être capable de chialer en direct. Ah bah tiens, bonjour. Je vais être capable de chier en direct si on continue comme ça, les gars. C'est... Oh, mais je pensais même pas de l'avoir, la secrète trainer, là. Mon préfère que ce soit Rosemary. Donc la Rosemary, en fait, dans trainer, c'est la Rosemary qui cote le plus. Mais oh là là, je suis mais toute chamboulée. Oh, mon petit badouin, il est trop beau. Oh, what a picker. Mais ça veut dire que normalement, si je dis pas de bêtises, dans celui-ci, il nous reste une petite shiny, si on est censé en avoir 3. Ou c'est... Oh, je sais plus. C'est 2, peut-être, et l'amazing. Ou non, il y a forcément une amazing. Oh, allez, on finit avec Scolosan V, et allez.
Oh là là. Et pour le moment, je crois pas avoir de double. À part dans les communes peu communes, sûrement. Mais autrement, le reste, je n'ai pas de double. Ça, déjà, c'est un bon début. C'est un très bon début. Je vais mettre une sleeve à la petite... ouais, du coup... donc, ouais, tapis qui est tout noir, en fait, du coup. Tout noir et gris. Oh là là, mais je suis... mais... ah, je trouve pas le trou. Voilà. J'en peux plus. Alors, bien sûr, tout sera sur-slivé. Hein. Je vais remettre une sleeve par-dessus. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer. Mais regardez-moi ça, je n'ai plus de place. Et là, on arrive au dernier booster. Dernier booster, les gars. Je prie réellement pour qu'il y ait la petite shiny. Parce que, franchement, si je peux ne serait-ce qu'envisager de pouvoir compléter... ah bah, premier double là-dedans. Vu qu'on l'a... non, on l'a pas. Attendez, je sais plus. Enfin bref, vous me redirez. Hop, je peux à peu près envisager de compléter cette série. Du coup, c'est magnifique, quoi. Franchement, le japonais, je suis amoureuse du japonais. Vraiment, le français ne vaut plus rien, quoi. Le français. Oh yes, le fossile. Yes, le fossile. J'aime trop les Pokémon fossiles. Je trouve ça trop bien. Donc du coup, la petite shiny. Le Fulgudog holo. Ixon holo, celle-ci je la trouvais magnifique, c'était la promo qu'on avait dans la voix du maître, elle est magnifique. Ok, et on a Zacian pour aller avec Zamazenta, yes. Et du coup derrière on a un petit fourbelin. Bon, c'est une ouverture de malade mental les gars, franchement génial. Attendez, je mets juste une sleeve au Pokémon Fossil là, c'est con déjà son nom lui. Gavagla, je crois, un truc comme ça. Gavagla, ouais, je sais plus. Enfin bref, je vais vous faire du coup le recap. Ah, voilà, on va essayer de mettre à peu près dans l'ordre. Où sont les VMAX? VMAX, tac. Donc du coup, on va se faire un recap pour voir ce qu'on a eu. Et je le referai, je vais refaire aussi le recap dans la prochaine vidéo. Donc du coup, on a eu Métamorph V, donc ça fait une V, Zamazenta V, 2 V, Blancoton V, 3, Lansorien V, Zacian V, alors par contre forcément c'est toutes des rééditions qu'on a déjà vues par chez nous, Scolansand V, donc là si je dis pas de bêtises, on est à 6 V, donc 6 V, on a Métamorph V Max, Nostanfer V Max, Scolansand V Max, donc ça fait 3 V Max, donc 6 V, 3 V Max. On a Gavagla, je crois, je vérifierai son nom. Donc, en shiny, Watapik en shiny, Sapero en shiny. Donc, ça fait 3 mini shiny, enfin 3 petites shiny. Mais il manque là. Mais merde, j'ai mis où là, le amazing? Je crois que je l'ai laissé dans le tas. Merde. Ah, où elle est? Je ne sais plus. Enfin, bref, il reste le amazing. Donc, on a une amazing. Et on a les deux secrètes. Voilà, les deux secrètes. Donc la secrète trainer et le magnifique Dracaufeu. Voilà. Voilà. Donc là, il reste plus qu'une chose, c'est de partager cette vidéo, s'abonner, et puis mettre un like, des commentaires, faire la fête, et tout ce qui va avec. On a le Dracaufeu Shiny. Voilà. Il manque le Dracaufeu Shiny VMAX, qui est quand même plus beau, je trouve. Après, c'est un avis totalement personnel. Mais je suis très contente de l'avoir. Hein. Je crois, vous l'avez vu dans toute la vidéo, je suis absolument heureuse. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo à ce moment-là même, parce que je pense qu'elle va être très très longue. C'est pas grave, on a ouvert un display S4A. Il nous en reste encore un, donc soyez bien au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !